Hélène Segarra s'est exprimée pour la première fois sur l'affaire Gilbert Rozon, PJBSIPA. Hélène Segarra a livré pour la première fois sentiment au sujet des accusations de harcèlement et agression sexuelle qui visent Gilbert Rozon, juré comme elle de la France a un incroyable talent. Alors que M6 a annulé la diffusion des auditions auxquelles participait le producteur québécois, l'interprète de Elle, tu l'aimes a exprimé sa surprise face à une situation qu'elle n'avait absolument pas anticipée. Gilbert a toujours été très respectueux avec moi. Dans une interview accordée ce lundi à Télé Loisirs, Hélène Segarra a affirmé ne pas avoir eu connaissance des agissements dont est accusé Gilbert Rozon. Peu d'enteurs nous connaissent réellement la vie intime des personnes qu'ils côtoient. Gilbert a toujours été très respectueux avec moi. Il est ni grec a jamais eu la moindre ambiguïté, a mis au point la chanteuse. Elle a cependant souhaité préciser, je fais clairement partie de ces femmes pour qui la libération de la parole et la vérité est importante. Je pense qu'avant de porter tout jugement nous devons laisser la justice faire travail, plus grand que à lire aussi, la France a un incroyable talent. On était sur le tournage de la saison 12 que M6 a suspendu, elle se dit, bouleversée, les révélations des femmes qui ont porté plainte contre le Canadien ont cependant déstabilisé Hélène Segarra qui évoque, un choc. Une épreuve pour laquelle je n'avais ni compréhension ni pouvoir d'action. Que cette émission de pur divertissement, avec nos merveilleux talents, soit au cœur de tout cela m'a vraiment bouleversée. Sans Gilbert Rozon, la diffusion de La France a un incroyable talent reprendra ce jeudi 16 novembre à l'occasion des demi-finales de l'émission, plus grand que à lire aussi, La France a un incroyable talent, ce qui vous attend dans l'émission sans Gilbert Rozon.